Elle doit prendre le moins possible la lumière, c'est ça? T'es gauche. Ah ouais. Ah. Attends. Du coup, oui, t'as non, rien. Moi, je suis pas gauche. Attends. Oh. Tu vois, ça aussi, comme pas mal de temps, quoi. Je vais peut-être le mettre dans une boutique. Il garde plusieurs jours. Ouais, ça servira plusieurs jours. Ouais. D'accord. Jusqu'à ce que. Un petit peu moins fort avec une plus grande comme ça on aura la taille de, du blanc, on aura là où il y a l'huile, là où il n'y a pas l'huile, là où il y a moins l'huile quoi. Ok, ouais, très bien. Ah, tu fais un test avec une vierge pour ouais. Du coup c'est dans cette zone là donc, là tu voudrais plus plutôt là hein. Ouais. Là on voit bien quoi, le... Ouais. C'est encore un truc expérimental. Quoi, parce que t'as pas de point blanc quoi. Ouais. C'est qu'un aplat, mais ça faut. Si on encre quand même avec ce rouleau là, on la passe 10 fois sous la presse, dans du carton, pour que les angles ils s'arrondissent complètement. Et du coup, on peut passer le rouleau sans trop l'abîmer. Voilà. Donc. Mais donc le rouleau, faut pas le passer sur les. Sinon, t'as autre chose à dire? C'est deux frangins. Ah bah voilà, j'ai un trou de mémoire. David et Jubinon de son frère. Bon. Voyons donc la chose, elle est extrêmement triste. C'est pas nickel nickel, mais quand même on a une... Ouais, hyper moche. Vraiment un rythme de vie. C'est une très grande ville, mais quand tu es au milieu de la ville, enfin, j'ai pas, je trouve ça toujours très calme. Quoi, pour une... Ça, je peux obtenir des raccords ou même s'il y a du filet, c'est pas grave. Ouais. Ça sera curieux, ça sera pas plus mal. Il faut pas s'inquiéter. Non, mais c'est pas grave. Oh, tout au début, quoi. Il y a pas. On fait un premier. Il faut bien comprendre que j'accepte dans mes livres. Tu prends le boulot. On essaie vraiment de l'ajuster à la plaque. Hein. Un papier plus épais pour le. Non, hein, je fais directement dessus, d'accord. C'est encore un peu humide apparemment. Ah oui, donc là, ce que tu croyais être la couverture de devant sera derrière. C'est pas important. Ouais. On sait au moment où on fait le tirage papier, ouais. Parce qu'il y a plusieurs inversions consécutives avec le passage à l'huile, etc. Tu vois, il faut anticiper plein de retournements, ouais. Ça n'arrête pas de retourner. Et c'est là, entre ce retournement et celui-là, qu'il aurait fallu y songer. On va voir si j'ai laissé de l'encre. On va être vite renseigné. Attention, j'ai un fil. Hein. Il fait ça, ton machin. Non, il est dedans. Puisque je me plaignais avec la quatrième ouais, boucle, voilà, bah, ça tombe oui. Très bien. La plaque, elle va s'encocher là. Et le papier, lui, il va s'encocher là, et le papier, lui... Très proche des trames industrielles. C'est très joli, d'ailleurs, la façon dont elle se fie. Elle... On est bien à 300 dpi. Okay.
Voilà, comme ça on essuie. On met ça et après on met un poids. Ah ouais, mais les plaques elles sont. On va faire un truc. Ouais, foutu, oh merde, ouais. Ouais. D'accord. Top. Je change d'une à l'autre. Moi, donc, sur la, les marques de calque, je. Top, c'est bon. Ouais. On voit si c'est pas le typon qui. Enfin le. Là je vois. Qui merde. Y'a pas de raison là. Ouais. J'ai vu faire des centaines de sérigraphies ouais. Comme ça. Et elle laisse sécher l'huile. Bah oui, elle sèche pas. Hein? L'huile elle reste comme ça. Ah bah oui. Ouais. Ouais. Ah oui, d'ailleurs tu peux pas l'enlever après, c'est horrible. Non, ouais. C'est fini. Je vais prendre le temps de me révéler. Alors voilà, trame du scotch carrément. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça a été trop insolé ça? Non, je pense que c'est le... Stop. J'arrête là. Le modèle? C'est le typon, tu chasses vraiment. Du coup, là, tu sens un moment. Ouais. Ouais. Enfin, faut pas faire que ça... Parce que ça monte tout d'un coup. Quoi. T'es bien là? Ouais, mais je pense qu'on pourrait en créer encore une fois. Réencrever? Ouais, tu vois là, t'as des parties entre bleu. Pas tellement, c'est un papier calque qu'on respirait mieux. Ouais, tu réhumidifies. C'est quand même assez nickel. On compare là-dessus, 2000. Mais faut un matériel. Ouais, assez. Un coup, je rentre de l'ordre. Apprendre. C'est un truc incroyable. Pour les dessinateurs, surtout quand elle dessiné. Ça paraît qu'il va lui. C'est normal que ce soit flou en bas. Et là, il faut réhumidifier. Ça veut dire que c'est pas. D'un seul coup, on dirait réfugiement. Un petit peu, puis c'est bon. C'est instantané. C'est pas miraculeux. Il y a des pâtés qui partent, donc je suis obligé de refaire. Ouais. Voilà. Et ça enlève le surplus. Ouais, tu vois, c'est pas mal. On a un handicap majeur, on a un rouleau plein de salauds. Mmh. Ça nous aide pas beaucoup. Donc celle-là, virée, je vais prendre une plaque neuve. Le truc le mieux, c'est une plaque de verre soit excessivement épaisse, soit un truc super lisse comme tu vois une. Merde avec la recette, je sais pas trop. Tu sais pas, tu sais, des vieilles pierres litho, tu passes du lait, et tu vois, ou un espace pour. Ah, sur la plaque humide, et ça c'est cool. Et dès qu'il y a un peu dès que ça s'oxyde, dès qu'il y a de l'encre qui va à un endroit, on travaille avec une plaque de verre là, dès que ça s'est oxydé, il y a de l'encre. Là, on fait n'importe quoi. Par contre, il faut bien rincer. Ah, il faut le rincer. Ouais. Il est vraiment. Oh, il est super crache, quoi. Ça sent fort, hein. Ça n'a vraiment de lait que le long. Mmh. Ouais, on va pas sortir comme ça. Hein. Ah. Non, mais pas, il a fait une grimace épouvantable. Il a dit que c'était de la merde, il a craché par terre. Si elle est sèche, tu vois, à chaque fois. Il faut que je la règle, mec. Ouais. Ok. Toi, ce que tu fais, tu sais pas ce que tu veux, toi. Hein. C'est trop ou pas assez. Hein. Ça, il n'y a pas eu assez, je pense. Mmh. Oh, tu magasins. Varenne. Faut y aller un peu. On soulève pour regarder, c'est ça? On court. Non. Que la presse. Ah ouais, clairement. Ouais. En forçant un peu plus, avec un peu plus d'encre, quoi. Ouais, c'est mieux. Ouais. C'est le mieux qu'on ait.
oxydation. Mais c'est pour ça du coup que c'est super compliqué d'imprimer des images non tramées. Tu vois que c'est super mat ici. Oh. Tu vois pas par. Ah, ça, un éventail. Ah. A l'air d'être décidé. Ça peut pas. Problème de ça. Je vois même pas comment on peut résoudre ça. Peut-être en huilant beaucoup plus pour prendre au maximum 30 parois de papier. En utilisant aussi une. Attends, un truc pour chasser les bulles. Parce que si on. Chasser les bulles, fixer le cache. Le barème est vraiment dans ta main? Non, t'as des grandes mains, toi. Je le vois même pas. C'est comme le bonto. Où il est le barème, il est où? Ah, désolé, monsieur. Ah, non, tous non. Les coulombouches. Effectivement, ouais. En fait. Qu'est-ce qu'on a avec la mire industrielle? Ouais. Comme on ça, teste on... avec ça. De la mire, c'est une mire offsette. Ouais. Ça marche, ça marche. Mais autant faire un test avec ça. Ouais. Non, tu veux te... non, non, pour savoir pas. Si on... Sur un petit bout de plaque et puis... Ouais, on fait juste sur un... À l'huile. Enlever le surplomb. Il doit y avoir très très peu d'eau à la surface. Il faut vraiment un mouvement assez ample et une très très fine pellicule. Tu frottes une partition entre bien et mal. Entre bien et mal. Culé le poireau. Tu m'as dit que j'ai retrouvé son brillon quasi instantanément, c'est ça? 2-3 secondes. Elle s'en matifie. Eh ben on recommence. Alors c'est quoi? Au moment où on les tire, tu vois, il y a un frotté comme pour les gravures sur bois, mais qu'on dépose finalement toute la couche d'encre, il y a surtout le rouleau. Là, vous nettoyez les bords, ouais, c'est ça? Ouais, un tout petit peu, ouais. Juste une goutte d'eau et... Protéger les bords, ouais. Avec un petit peu de papier de soie. Tous les marquages ont été faits très précisément sur la table, pour éviter toute déconvenue au moment du tirage. Fragile, c'est mieux de le plaquer celui-là. Celui-là supporte d'autant moins l'eau que ça. T'as essayé de faire l'eau, toi, Laurent, pour l'instant? On change toutes les 10 grammes. Plusieurs sessions en même temps, donc si c'est des sols, donc là, ouais, ouais, mais... comme ça, c'est surtout pour une raison simple, c'est que le barème s'implique. C'est ce que je suis en train de faire. On s'échange de place à un certain moment. Oui, ça va, j'ai pris le mouvement pour l'eau, c'est bon. Ça allait hier soir, oui. On avait vraiment pris un rythme assez... C'est vrai qu'à deux, une fois que chacun a le mouvement, c'est nickel. Tu vas stabiliser pendant
Je sais pas, tu peux lire un texte en voix off de, sur l'industrie culturelle de la torno. Et que le plus hors sujet sur la culture des pommes de terre.